Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, les enquêtes sont sorties. On n'a pas arrêté de vous prévenir sur ce club crapuleux, scandaleux, arnaqueur, voleur, menteur, qui n'est d'autre que le FC Barcelone. Ou devrais-je dire Barcelone? Parce que nous savons très bien ce qui se passe à chaque fois que la VAR est utilisée contre le Barcelone. Il y a les Photoshop, il y a les vidéos qui sont mises, on comprend rien, on se dit, mais attends, c'est même pas la bonne action. Ils sont partis chercher des actions qui se ressemblaient et ils nous font montrer ça pour dire que ouais, c'est la VAR. Et nous, on est là, oh là, ouais, c'est vrai, il n'y a pas hors-jeu, c'est vrai, il n'y a pas main. Ce sont des voleurs professionnels. Et là, ils ont été pris la main dans le sac. Entre 2016 et 2018, apparemment, le FC Barcelone aurait versé des millions d'euros au vice-président des arbitres. Entre 2016 et 2018, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la remontada, oh là là, aurait été arrangée. Ça aurait été un match arrangé. Tu te rends compte de la dinguerie? Tu te rends compte que le FC Barcelone a triché sur ce... Non, mais vous vous rendez pas compte. Parce qu'il y a des gens qui vont parier, hein, qui vont et qui parient en se disant que les matchs ne sont pas truqués. Tu te rends compte, il y a des matchs truqués au niveau du FC Barcelone. Et après, quand il y a la Coupe d'Afrique, on vient parler, on vient dire que voilà, regarde, ça triche là-bas, ça triche là-bas. Alors qu'en Europe, on est les tricheurs. Oh là 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 là, mais non, ça c'est scandaleux, hein. Entre 2016 et 2018, ce qui voudrait dire que le Paris Saint-Germain est traumatisé pour rien du tout. Tu te rends compte de cette dinguerie? Ça voudrait dire que le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'ils vont en Espagne et qu'ils jouent comme du grand n'importe quoi, c'est pour rien. Parce que tout a été truqué. Tu te rends compte? Donc là, on va pas se mentir, c'est quand même une bonne chose. Voilà, parce que nous, on pensait que le Paris Saint-Germain, dès qu'ils allaient en Espagne, c'était plus le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Même si, bon, là, en ce moment, c'est plus trop le Paris Saint-Germain qu'on est en train de voir. C'est je ne sais pas qui est en train de jouer. Ce sont des sosies. Là, on a le Paris sosie Germain. Ouais, parce que là, tu vas pas me dire que Lionel Messi, il fait une Coupe du Monde de malade. Après, il revient en France, dans le Languedoc-Roussillon, et il n'arrive pas à jouer. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire qu'il peut aller jouer en Arabie Saoudite, mais il peut pas jouer à Toulon, hein? Il peut pas jouer à Nice. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, bon, alors là, on va voir ce qui va se passer. On va virer les sosies du Paris Saint-Germain. Donc là, le FC Barcelone, bien sûr, bah, va encore s'en sortir, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est un acteur de ce foot moderne. Et le Barcelone, s'ils sont plus là, bah, ce serait un grand choc dans le monde du football. On va pas se mentir, c'est une grosse marque. Ils valent je sais pas combien de milliards. Ils sont connus dans le monde entier. Donc, ils ont le droit de tricher. Donc, qu'est-ce que ça nous explique sur le foot qu'on est en train de regarder, mesdames et messieurs. Eh oui, ça nous montre que ce n'est pas réellement un sport. S'il y a des choses comme ça qui sont possibles, vous vous rendez compte de la dinguerie? Non, tu te rends pas compte. Ça veut dire que là, il s'appelle. Ouais, bon, allez, allô, vas-y, il faut que ce soit moi qui gagne. Après, l'arbitre, il prend le téléphone. Il dit, bon, allô, ouais, on m'a envoyé un billet là. Tu proposes quoi, toi? Hein? Ouais? Tu veux gagner? Bah écoute, eux, ils m'ont donné 500 000. Voilà, tu veux donner combien, toi? 3 millions! Bon, vas-y, t'inquiète pas, c'est ton équipe qui va gagner. Ensuite, l'arbitre, il rappelle l'autre. Ouais, bon, là, les 500 000, c'est rien, hein. Bon, moi, j'ai 3 millions, là. Voilà, donc, je suis désolé, mais vous allez perdre. Et après, voilà, l'autre, il dit, allez, 10 millions! Voilà, c'est comme ça que le foot se passe. Et nous, on est là derrière, on achète les maillots, on parie, on fait tout. Oh là là, on fait vivre tout ça. Vous vous rendez compte? On se fait littéralement, hein? Enguirlander, traîner, voler, mentir. Oh, j'ai plus les mots.